After years of trying, Belgium has finally made it onto the world map of rock. Using current events like the kidnapping of ex-Prime Minister Paul van den Boynens, commonly known as VDB, Belgian New Beat has proved even more controversial than its predecessor, Acid House. And it's having the same effect as punk did here. Have they no respect? J'ai un respect. Évidemment, ça s'est bien terminé. Donc, non, pas trop de problème. C'est le mauvais goût, la New Beat. C'est avec VDB qu'on l'a inventé. Je veux dire, avant, ça n'existait pas. Personne ne le faisait. Maintenant, je crois qu'on a lancé, enfin, une musique pour le peuple où l'on pourra utiliser des arguments politiques pour faire passer sa musique. Au contraire, je sais pas. This is a new style of music. While New Beat has produced some real trash like the Confettis, it's also thrown up more interesting bands like Front 242, who for years now have been laying down the rules of electronic body music. Generating a lot of controversy, their music has been labeled cold, industrial and devoid of feeling. C'est tout à fait normal, on joue avec des machines, on n'a jamais cherché à mettre de l'émotivité dans la musique qu'on fait, c'est tout à fait... Alors les gens qui parviennent à mettre un contenu humain en travaillant sur des machines, ça, ce sont vraiment les vrais mystificateurs. Alors, ils font tourner les machines et ils ont tellement réussi à être malhonnêtes qu'ils parviennent à faire passer un soi-disant contenu humain là-dedans. Bon, les machines, c'est les machines, elles tournent. With a new video directed by Anton Corbin, Front 242 are determined to make it in the international market, despite coming from Belgium, a country not normally renowned for pushing back the frontiers of rock. Un avantage énorme dans la mesure où justement il y a très peu d'infrastructures comme en Angleterre ou aux États-Unis, d'infrastructures rock, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de grosses maisons de disques en Belgique, il n'y a pas vraiment une grande presse, c'est un petit pays, il n'y a pas vraiment un background rock and roll. Donc pour nous c'était super, super intéressant de pouvoir développer nos idées, notre démarche dans un pays où il n'y avait rien de concret. The atmosphere at two sell-out concerts at the Ancienne Belgique in Brussels revived rumours that Front 242 are a deliberately violent and aggressive band, toying with quasi-Nazi imagery. L'image guerrière, en fait, est tout à fait relative à ce qu'on peut voir sur les écrans de TV. Il y a une certaine violence, d'accord, il y a un certain instinct, nous on parle d'énergie très souvent, de puissance. Je crois que ça fait partie aussi des instincts mâles, on est des garçons, on est des hommes, on a envie de faire une musique instinctivement mâle, sans pour cela que ce soit préconçu ou péjoratif. Front 242 will be coming to Britain in April, so we'll be able to make up our own minds about whether they're as significant as they reckon they are. Rien en rock, peut-être quelque chose de la musique en général, mais sûrement rien en rock, vu que au départ, quelque part, c'est une réaction rock. C'est tout à fait clair que nous on parle d'Eurobeat en général, parce que ça vient peut-être plus essentiellement de l'Europe. Bon, les Anglais en pensent ce qu'ils veulent, parce que trois quarts des Anglais se sentent exclus de l'Europe, ça c'est leur problème. Ce qui est vrai, c'est que c'est une musique où on trouve comme différents groupes qui travaillent dans des domaines différents, je pense à Liveback ou Young Gods ou Afro, ou même la New Beat ou même la Seed, qui émergent en Europe et qui n'ont pas besoin de... qui font partie de l'Eurobeat, mais qui peuvent aussi se définir par un genre musical propre.